Bonjour, bonjour. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de personnes. Est-ce qu'une personne dans le chat pourrait me confirmer que le son est bon, s'il vous plaît? Oui, je vois beaucoup de personnes de la Côte d'Ivoire, de Lille, en France, Monsieur Édouard Cali. Confirmez-moi que le son est bon. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Super. OK. Il est l'heure. On va essayer de commencer à temps. On sait que c'est un grand jour pour beaucoup d'entre nous, étant donné qu'il y a un match de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer bientôt. Je vais commencer immédiatement. Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profil d'Afrique. Au début de l'année, dans notre message, j'ai précisé, j'ai partagé avec vous les ambitions pour cette année, ce qu'on voulait réaliser avec vous. Et parmi les choses qu'on envisage faire au cours de l'année, il y a des formations en présentiel dans les pays lorsque nous voyagerons. Des formations aussi d'Arc Expert qui sont postées sur le site internet d'Arc Expert à www.arcexperts.com. Et bien sûr, il y a ces mini-formations gratuites que nous allons donner aussi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rodrigue Yossa, je suis docteur en aquaculture et j'ai 18 ans d'expérience en recherche, innovation et pratique de l'aquaculture en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Je suis présentement, au moment où on se parle, basé à Penang, qui est une belle ville en Malaisie, mais je travaille 50% de mon temps en Afrique et 50% du temps en Asie. Dans le cadre des activités d'Arc Expert, nous nous focalisons essentiellement sur les activités de développement de l'aquaculture sur le continent africain. Et en 2021 seulement, nous avons contribué aux études de faisabilité, au plan d'affaires et ainsi de suite pour plusieurs entrepreneurs aquacoles au Bénin, dans la République du Bénin. Nous avons conçu et mis sur pied une écloserie de production de poissons-chats africains au Cameroun. Et nous avons aussi conçu et les travaux sont en cours pour l'établissement d'une ferme de poissons-chats africains, toujours au Cameroun, qui va produire pour un début. Vous vous rappelez, j'ai dit qu'il faut penser grand, mais commencer petit. Mais à partir de mars, cette ferme-là va produire 100 tonnes de poissons-chats africains par an. Nous avons aussi appuyé des organisations internationales qui avaient besoin des services de conseils et parfois de consultations en aquaculture, notamment le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole, qui est une branche des Nations unies, pour l'évaluation du projet de développement de la pêche et l'aquaculture continentale au nord de la République du Congo. Donc, ça fait partie des choses que nous faisons avec, comme je l'ai dit au départ, un focus sur le continent africain. Et pour revenir aux différentes formations offertes par Arc Expert, depuis quelque temps, il y a beaucoup de personnes qui se sont inscrites. Et la semaine dernière, on a eu notre première séance de formation pour ceux qui avaient, bien sûr, déjà, qui s'étaient inscrits avaient payé les frais. Il y en a beaucoup d'autres qui sont inscrits, mais qui n'ont pas encore payé les frais. Mais on s'entend que ce sont des formations payantes et que ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est aussi pourquoi Arc Expert a bien voulu sponsoriser des séances de formation gratuites comme celle d'aujourd'hui. Ces séances de formation gratuites visent principalement deux objectifs. Le premier étant d'offrir une partie de l'information sur les bonnes pratiques de l'aquaculture aux participants qui sont déjà abonnés sur la chaîne YouTube comme vous. Et bien sûr, Arc Expert, ces formations payantes du 12 heures, mais on ne pourrait pas faire une formation comme celle-ci pendant 12 heures, ce qui fait qu'on va faire à peu près une heure de temps. Mais pendant une heure de temps, on estime que vous aurez quand même appris gratuitement, vous aurez eu une formation équivalente à peu près à une heure, donc ou plutôt à 10%, disons, de la formation.
formation d'aquexpert. Donc, vraiment, c'est une façon aussi de contribuer à l'essor de l'aquaculture sur le continent africain à travers les formations pour ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube All About Aquaculture et qui ne sont pas encore en mesure de payer les formations. L'autre but, c'est aussi de donner un avant-goût à ceux qui hésitent encore par rapport à la qualité de la formation, par rapport à la pertinence des informations qui seront transférées à travers ces formations-là, par rapport à la pertinence même de certains sujets. Donc, en suivant des cours de formation comme celle d'aujourd'hui, vous aurez une idée sur ce que la longue formation pourrait vous offrir. De façon à ce que si vous êtes dans une zone, par exemple, où il y a un projet et qui sponsorise des formations, que de pensez seulement à aller en Chine, au Japon, aux États-Unis, en France, en Malaisie et tout pour vous former. Vous pouvez aussi demander aux personnes qui pourraient sponsoriser de telles formations de vous inscrire à ces formations en ligne parce que vous allez acquérir quand même de l'expérience. Ce sont des experts qui vont vous former. Et si vous allez sur le site d'Aquexpert, vous allez voir les formateurs qui ont bien voulu qu'on poste leur image sur le site. Mais il y a beaucoup d'autres formateurs qui travaillent avec Aquexpert, qui sont prêts à soutenir Aquexpert. Donc, ce n'est pas juste Rodri qui forme, mais il y a beaucoup d'autres personnes qui forment. Aujourd'hui, la formation va porter essentiellement sur la nutrition et l'alimentation des poissons, mais le focus sera beaucoup plus sur la nutrition, dans l'aspect alimentation qui consiste à trouver des moyens pour distribuer l'aliment et se rassurer que l'aliment est bien consommé par le poisson. On va pas toucher beaucoup à cela, mais on va plus aller dans les fondamentaux, vraiment les bases de la nutrition aquacole. Pour cela, je vais partager mon écran. Mais avant ça, il faut que je me rassure que tout va bien et que vous êtes en train. Voilà, tout le monde est là. Oui, je vois beaucoup de personnes. Là, je vais lancer la formation proprement dite. Donc, c'est une formation qui va durer à peu près 1 heure. Donc, pour ceux qui sont quand même captivés par la Coupe d'Afrique des Nations, sachez que vous avez à peu près 1 heure à consacrer à cette formation. Et comme je l'ai dit, c'est une formation offerte par Aquexpert International, qui est une compagnie immatriculée au Canada qui a pour but de partager l'expertise en aquaculture pour nourrir le monde avec un focus sur l'Afrique. Jusqu'ici, toutes les activités d'Aquexpert se déroulent exclusivement sur le continent africain. Le contenu de la formation complète a à peu près 13 points. Donc, après l'introduction, on parle de la chaîne de valeur d'aquaculture, donc vraiment dans les détails, de tous les maillons des intrants jusqu'à la commercialisation. Donc, on décrit tout cela pour ressortir la pertinence du maillon intrant qui est les aliments. Que les aliments représentent dans la chaîne de valeur aquaculture tout entière. Donc, c'est vraiment une bonne façon d'entrer en jeu quand on veut commencer une formation d'envergure comme celle-ci. Le troisième point, c'est sur les aliments aquacoles, les opportunités et les défis. Nous allons toucher un peu à cela tout à l'heure. Ensuite, on va dans les régimes alimentaires des poissons. Donc, pourquoi est-ce que l'aliment du tilapia, on ne peut pas le donner au poisson-chat, l'aliment du saumon, on ne peut pas le donner au tilapia, et ainsi de suite. Hein? C'est bien de comprendre quels sont les régimes alimentaires des poissons. Ensuite, on va dans les ingrédients. Donc, on apprend à connaître les ingrédients, leur valeur nutritive, leur composition en nutriments et l'aspect de digestibilité des nutriments qui est important parce qu'il ne suffit pas de seulement nourrir les poissons, mais il faut aussi savoir quelle est la quantité de nutriments qui reste dans les poissons, comment tout ceci s'est calculé. C'est important de le savoir avant de pouvoir les utiliser. Ensuite, on parle des besoins nutritionnels des poissons à différents stades de vie. Il y a plusieurs vidéos qu'on a présentées sur cette chaîne YouTube à ce sujet déjà, mais il est important dans une telle formation d'aller dans les détails et présenter la pertinence de la considération des stades de vie lorsqu'on est en train de composer un aliment. Et après cela, on passe directement à la composition des aliments proprement dit. Donc, comment ça se fait? Et nous, on ne le fait pas à la main, on le fait on a 3 types de logiciels, mais il y a un qui est relativement simple et facile d'utilisation, qui a à peu près 500 ingrédients. C'est avec cela.
Cela compte quand on travaille et c'est ça que je vais présenter dans le cadre de cette formation d'aujourd'hui. Ensuite, il y a l'introduction à la production des aliments. Donc, une fois qu'on a composé l'aliment, il faut le produire. Donc, on parle un peu des granuleuses, des extrudeuses. Ici, je vais présenter certains de ces équipements-là. Ensuite, il y a l'analyse des aliments pour confirmer que lorsqu'on a composé des aliments, on a quand même atteint les niveaux requis de nutriments dans ces aliments-là. Il faut faire des analyses au laboratoire, mais aussi il faut estimer les propriétés physico-pratiques, comme je les appelle, pour avoir une idée de la qualité de ces aliments sur les poissons. Donc, ça, comme on a déjà discuté dans des vidéos précédentes sur cette chaîne, il y a le taux de conversion des aliments, l'efficacité alimentaire et ainsi de suite. Dans la formation générale, on va dans les détails, on vous présente comment les calculer avec des exemples précis. Ensuite, on passe à l'alimentation des poissons et la cartographie d'une provenderie et bien sûr les lectures supplémentaires. Donc, c'est ça le contenu, une partie, en passant, c'est juste une partie du contenu de la formation que ACC Expert offre, la formation payante. On va essayer de brosser tout cela assez rapidement aujourd'hui pour que vous ayez une idée, comme je l'ai dit, pour que chacun qui participe à cette séance ait au moins 10% du contenu de la formation. Donc, en guise d'introduction, c'est que le taux de croissance de l'aquaculture sur le continent africain est le plus élevé au monde. On parle d'à peu près 10% par an, alors qu'au cours des dernières années, on était à peu près à 4% globalement. Mais si on considère depuis, je pense, 95, 98, oui, on pourrait penser que ça a augmenté d'à peu près 8% par an. Donc, en termes de croissance, vraiment, c'est sur le continent africain qu'on remarque une très forte croissance. Et ceci, ça explique par le fait que le potentiel est grand. Le potentiel de l'aquaculture sur le continent africain est très grand. Et la FAO avait fait une étude qui a démontré que pour l'instant, on utilise à peu près 1% seulement. Pourtant, si on pouvait mettre tous nos plans d'eau en valeur, on parle des lacs, vous voyez, lac Tanganyika, lac Kivu, lac Victoria et ainsi de suite. On a des rivières, on a des fleuves, le fleuve Congo. On a des affluents pour tous ces fleuves-là et ainsi de suite. Si on pouvait les mettre en valeur, on pourrait produire 300 fois plus de poissons que tout ce qui est produit au monde en ce moment, seulement en Afrique. 300 fois plus de poissons que la production globale qui est estimée à 114 millions de tonnes. On pourrait le faire en Afrique. Ça veut dire qu'on pourrait nourrir la population mondiale juste en produisant le poisson en Afrique. Donc, c'est vraiment important. Le climat s'y prête. On a tout. On a la technologie. On a des personnes motivées. On a des connaissances même. On ne le dit pas souvent, mais les Africains, on est vraiment braves et résilients. Donc, il y a tout ça. Qu'est-ce qui nous freine encore? On ne peut pas, il n'y a pas un seul truc qu'on pourrait pointer. Il y a beaucoup de facteurs, mais on est sur le droit chemin. C'est en train de bouger, c'est en train d'avancer. Et quelles sont les opportunités quand on parle de la nutrition aquacole? Pourquoi est-ce que vraiment il faut qu'on ait une formation complète là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui intéresse autant de personnes? C'est parce que pour tous ceux qui ont pratiqué l'aquaculture commerciale, tous ces gens-là savent que l'aliment représente 40 à 70 % du coût de production variable en fonction du niveau d'intensification. Et quand on parle de niveau d'intensification, il y a un cours sur la pisciculture commerciale où on va parler de tout cela, l'aquaculture semi-intensive et intensive. Donc, semi-intensif, on a à peu près à 40 % quand c'est bien fait, et en intensif, on a à peu près à 70 % du coût variable de production, ce qui est énorme. Donc, une personne qui contrôle ou qui a vraiment des connaissances en termes de nutrition et alimentation et qui sait bien gérer les aliments dans sa ferme pourrait déjà avoir un impact clair et direct sur le profit de la production aquacole. Donc ça, c'est très important. Et la nutrition et l'alimentation en aquaculture sont d'autant plus importantes que maintenant, il y a carrément une revue scientifique qui est focalisée là-dessus, qui est Aquaculture Nutrition. Donc, depuis, je pense, 2 décennies déjà, cette revue scientifique-là publie des articles qui se focalisent seulement sur la nutrition aquacole. C'est en anglais, mais c'est quand même une bonne revue pour ceux qui lisent bien l'anglais. Vous pouvez vous abonner là-bas et recevoir des articles au quotidien. Parfois, le niveau est très technique ou très scientifique, mais quand même, il y a toujours avec l'expérience, on parvient toujours à attraper quelque chose et avoir quelques informations.
Aussi, une opportunité qui est très importante, c'est qu'une personne qui travaille en nutrition aquacole ne nourrit pas seulement le poisson, mais nourrit la population. Parce que ce que les gens mangent et voient, c'est le poisson. Mais pour avoir ce poisson, il faut bien qu'ils mangent et c'est l'aliment qu'on fournit. Donc, une personne, nous, moi, par exemple, je me suis présenté à plusieurs endroits comme spécialisé en nutrition, parce que chacun qui a un doctorat a quand même un domaine dans l'aquaculture, un domaine de prédilection. Chez moi, c'est la nutrition et l'alimentation des poissons. J'ai une collègue avec qui je travaille ici en Malaisie qui a eu le World Food Prize, qui est l'équivalent du prix Nobel en agriculture, docteur Shakuntala. Et à chaque fois qu'on discutait, elle me disait tout le temps, quand je me présente comme nutritionniste des poissons, de dire nutritionniste tout court, parce que ce que les gens mangent à la fin, c'est le poisson, et ce que le poisson mange, c'est ce que moi je lui donne ou ce que je contribue à lui donner. Donc, c'est une opportunité. On est fier quand on voit une population qui grandit bien, il y a des enfants qui grandissent et on attribue cela au fait qu'il y a plus de production de poissons dans la zone. On est fier parce qu'on contribue à nourrir le poisson qui nourrit ces gens-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Et toujours dans des opportunités et contraintes, on s'entend qu'une personne qui produit le poisson peut comprendre, même si cette personne est en train de produire en étang, en cage ou dans un système hors sol, circuit ouvert, circuit fermé, et j'en passe, que l'aliment, c'est important. Se focaliser seulement sur la production primaire des étangs, donc les algues, le zooplancton et tout, ça ne suffit pas. L'aliment est important. Pourquoi? Parce que c'est un complément alimentaire. Ça complète, pour ceux qui élèvent dans les temps, ça complète la production primaire. Donc, on parle des algues, des algues, du zooplancton, comme je l'ai dit, il y a quelques copépods, des cladocèles, des rotifères et tout. Bon, rotifères en mer, les daphnies, ainsi de suite. Tout ce qui est comme petit animal qui peut nourrir peut-être le poisson chat africain ou bien le tilapia, le détritus, hein, les petits vers et tout. Tout cela, ça, c'est important, mais l'aliment, c'est l'aliment qui nous permet vraiment d'augmenter la productivité de la ferme. En nourrissant, on accélère aussi le cycle de production. Et on peut avoir une certaine prédictibilité au niveau de la production, parce qu'avec l'expérience et tout, il y a des tables alimentaires, des courbes de croissance, et on sait qu'en donnant tel aliment, qui a tel taux de conversion des aliments, au bout de 3 mois, 6 mois, on peut avoir à peu près telle croissance du poisson et on peut atteindre la taille commerciale, la taille à laquelle il faut récolter. Donc là, c'est important de nourrir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a aussi la réduction du cycle de production. Les poissons qu'on mange en aquaculture, là, sont des poissons relativement jeunes. Hein. On parvient à avoir 500 grammes de poisson chat africain en 6 mois. Ça, c'est un poisson adulte, mais il est relativement jeune. Dans la nature, 500 grammes comme ça, on pourrait l'avoir à 3 ans ou 4 ans, parce qu'il n'y a pas toujours l'aliment, il n'y a pas toujours les circonstances favorables et tout. Donc, c'est vraiment une façon aussi d'accélérer le cycle de production. On peut améliorer la santé des poissons à travers l'alimentation. Donc, déjà, un aliment équilibré permet aux poissons de s'épanouir et d'être à l'aise. Un aliment peut aussi contenir quelques additifs alimentaires ou quelques suppléments ou encore des médicaments au cas où il y a une présence de maladie, il y a une infection des poissons et tout. C'est généralement à travers l'alimentation qu'on soigne les poissons. Et il y a bien sûr la possibilité de fortifier les aliments, comme on l'a dit, en ajoutant certains trucs comme les oméga-3 ou n'importe quoi, surtout quand on parle des géniteurs, pour améliorer la fertilité, pour améliorer la position des œufs, et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est important de nourrir les poissons. Juste abandonner les poissons dans les étangs, ce n'est plus important et ça ne peut pas permettre qu'on ait une bonne production aquacole. Mais est-ce que le coût des aliments est justifié par la rentabilité de l'élevage? C'est une bonne question. Surtout que ce n'est pas toujours le pisciculteur qui décide du coût des aliments. Au Cameroun, il y a quelques jours encore, l'un de mes collaborateurs au Cameroun m'informait que le sac d'aliments, je ne sais pas si c'est 15 ou 20 kilos, est passé de 17 500 à 23 000. Le pisciculteur ne comprend pas ce qui se passe, mais le coût des matières premières et tout, le pisciculteur n'est pas au courant de cela. Donc, c'est clair que quand même, avoir un petit contrôle sur son aliment, c'est important. Mais je vais vous présenter les éléments ici pour composer les aliments, les produits. Ce sera à vous de prendre votre décision, comme on l'a dit dans plusieurs vidéos précédentes.
Donc, ici, par exemple, on a parlé dans cette vidéo, est-ce qu'il faut produire soi-même son aliment ou l'acheter? Vous avez cette vidéo sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez aller regarder, je pense, ça dure plus de 15 minutes, où je présente tout ce qu'il faut pour pouvoir produire soi-même son aliment à partir de la compréhension des ingrédients, le circuit d'approvisionnement en ingrédients, la composition des aliments, tout, 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 tout. C'est vraiment à vous de prendre cette décision-là. Et dans les parties qui vont suivre, on va revenir là-dessus. Mais ça fait partie quand même des opportunités qu'on a et des défis qu'on rencontre quand on se lance dans cette affaire. Pareil, j'ai aussi parlé dans une vidéo précédente de l'importance de se spécialiser. Donc, une personne qui veut se spécialiser en nutrition et alimentation de poissons, vous le verrez d'ici la fin de la formation. J'insiste hein, qu'il faut rester jusqu'à la fin parce que vous allez comprendre pourquoi on dit tout ceci quand on va passer au cas pratique d'une composition de l'aliment. Mais vous ne pouvez pas maîtriser tout cela et être aussi bon au niveau de la santé des poissons et être très bon au niveau de la génétique, de la gestion des programmes d'amélioration génétique et tout. Donc, il faut vraiment une équipe. Et que dans l'équipe, chacun soit spécialisé en quelque chose, ou bien choisir juste un maillon de la chaîne et, ou un sous-maillon et se spécialiser dedans. On en parle un peu dans cette vidéo, mais bien sûr, il y a des gens qui peuvent toucher à tout avec l'expérience, une personne qui est dans l'aquaculture depuis longtemps, qui a beaucoup voyagé, qui a travaillé avec plusieurs équipes, peut faire un peu de tout, mais avoir toujours un domaine dans lequel il excelle. Ça, c'est très important. Et vous pouvez en entendre plus sur cela dans cette vidéo. C'est sur la chaîne YouTube. Voilà le lien pour la vidéo. Maintenant, on aborde les régimes alimentaires. Et ça, c'est une partie vraiment importante parce que ça permet de comprendre, comme je l'ai dit en introduction, pourquoi. Oui, je veux juste me rassurer que tout va bien, les aliments trop chers. OK, ça c'est bon. Donc, quand même, c'est en cours. OK. Donc, on parle des régimes alimentaires ici parce qu'il est important de comprendre pourquoi, sur le plan anatomique, le tilapia est différent. Par exemple, du poisson chat africain et le saumon, et ainsi de suite. Où est-ce qu'ils sont classés? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux? Pourquoi est-ce qu'on dit souvent qu'il faut donner de l'aliment 2 fois, 3 fois par jour, qu'il faut donner des petites portions, et ainsi de suite? Tout ça, en fait, est fondé sur l'anatomie du poisson. Donc, si on regarde à gauche, par exemple, là, ce sont les salmonidés. Donc, il y a le saumon atlantique, il y a les truites arc-en-ciel, il y a les ombres chevaliers, ombres de fontaine. Tout ça sont des salmonidés. Et si vous regardez leur tube digestif. C'est vraiment l'estomac. Il y a un estomac qui est costaud, qui est grand, parce que ce sont des carnivores, en fait. Donc, si on revenait sur ton direct, ce sont un peu comme des lions, des tigres, des panthères. Donc, il faut vraiment que l'estomac soit grand pour pouvoir non seulement broyer, mais aussi gérer, donc pouvoir contenir les grandes quantités de poissons. Donc, une fois que le poisson a pêché, a chassé, si je peux utiliser cette expression, et a attrapé sa proie, il faut bien qu'il y ait de l'espace dans l'estomac pour pouvoir contenir. C'est pour ça que si on regarde bien, le tube digestif est très court, mais l'estomac est assez grand et ça peut s'élargir. Donc, un poisson d'un kilo peut souvent prendre juste 2 ou 3 petits poissons de 50 à 75 grammes en une journée, en une seule prise. Ça, c'est très important. Au milieu, on a les cyprinidés, là où on a la carpe commune, la carpe herbivore, la carpe argentée. Et vous pouvez voir à quel point son tube digestif est long. Et ça, c'est un herbivore. Parce qu'un herbivore a besoin du temps. Il y a beaucoup d'étapes pour pouvoir digérer les plantes. Là, il y a beaucoup moins de sucre gastrique qu'au niveau du carnivore, au niveau des salmonidés. Et si vous remarquez, là, on parle d'un poisson qui a à peu près 300 à 400 grammes, mais le tube digestif a plus de 3 mètres. Et là, c'est à peu près la même chose. Si vous regardez la chèvre, vous voyez, au niveau de la chèvre qui est aussi herbivore, la constitution du tube digestif est assez spéciale. On parle souvent de panse, bonnet, feuillet, caillet. C'est beaucoup plus compliqué que, par exemple, chez le porc qui est monogastrique. Un peu comme nous, les humains. Et là, on parle de l'œsophage, de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin grêle, du gros intestin et de l'anus. Donc, c'est assez direct et c'est clair. Mais chez les herbivores, c'est plus compliqué. Donc, ça fait que l'aliment passe beaucoup plus de temps dans le tube digestif avant de sortir.
Et comme ça traîne, il faut aussi donner les petites quantités pour que ça circule bien. Vous pouvez voir que l'estomac n'est pas très élargi, là. Il est quand même plus gros que l'intestin, mais il n'est pas très élargi. C'est pour ça que ce poisson, s'il faut le nourrir plusieurs fois par jour, contrairement au saumon qu'on peut nourrir parfois une à deux fois, ici, quand même, si c'est possible, hein, surtout quand les poissons sont plus petits, vous pouvez nourrir trois ou quatre fois en une journée. Un peu plus loin, ici, on a le tilapia. On a le tilapia, c'est moi-même qui ai disséqué ce poisson. Et si on regarde bien, j'ai une règle d'à peu près 40 cm. Là, ici, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est à 2,40 m pour un tilapia de 300 grammes à peu près. Donc, ce poisson-ci a un tube digestif de 2,40 m de longueur. Et bien sûr, le tilapia est assez spécial parce que quand il est tout petit, il est omnivore, mais plus il grandit, plus il devient herbivore. Donc, c'est quand même assez spécial. Et tout ça fait partie de l'anatomie du poisson. Dans la formation, on va un peu plus loin. On parle aussi de l'importance de cette anatomie-ci pour la digestion même des nutriments. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la digestion des protéines, des lipides, et ainsi de suite. Donc, on va un peu plus loin aussi des vitamines. Mais ici, vous avez quand même une idée de l'anatomie des poissons d'élevage et de ce que ça représente et comment ça a un impact sur le type d'aliments qu'on donne et des fréquences d'alimentation. Le poisson chat africain ici, Claridae, on a Clarias galepinus et Taurobranchus longifili, se retrouve à peu près entre les deux parce que c'est un poisson omnivore à tendance ichtyophage. Maintenant, les ingrédients. Et leurs nutriments. Il est important de connaître les ingrédients. Donc, une fois qu'on se procure les ingrédients, il faut se demander s'il y avait un pré-traitement nécessaire, s'il faut un pré-traitement avant de les utiliser, ou si la personne qui nous a vendu les ingrédients les a pré-traités. Et il y a plusieurs façons de pré-traiter les ingrédients. Par exemple, au niveau de la farine d'insectes, c'est toujours bien d'extraire de l'huile. Et si l'huile a été extraite, est-ce que c'était par pression ou bien c'était avec un solvant? Ce sont des informations qu'il faut avoir. Si on achète la dèche de brasserie, par exemple, généralement, chez nous, quand on va avec un camion au niveau des brasseries, ça arrive, c'est mouillé, c'est pas quelque chose de sec. Donc, il faut avoir un séchoir pour bien sécher et à l'abri des mouches et tout, bien les sécher avant de les utiliser. Si on achète des trucs comme les huiles, c'est bien quand même de les réfrigérer. Hein, c'est toujours bien quand vous voulez utiliser l'huile pendant une longue période, de les mettre dans un frigo à 4 degrés, que de les placer quand même sous le soleil. On sait que les huiles comme l'huile de palme, le taux de rancissement est très élevé. Mais si vous avez de l'huile de qualité comme l'huile de foie de morue ou bien l'huile de poisson, et que vous l'utilisez sur une longue période, c'est mieux de réfrigérer. Donc, tout ça, ce sont les pré-traitements qu'il faut faire, parfois aussi la cuisson, et ou même carrément le trempage. Et je vais revenir sur le trempage. Une fois qu'on sait comment nos ingrédients ont été traités avant d'arriver chez nous et que nous-mêmes, nous avons appliqué quelques pré-traitements si c'était nécessaire, il faut savoir quelle est la teneur en nutriments de ces ingrédients. Et là, on parle des macronutriments, comme par exemple la matière sèche, les protéines brutes, les lipides bruts, les cendres, l'énergie brute, les fibres. Ça, ce sont les analyses de base, vraiment au niveau des nutriments, des ingrédients. Mais ensuite, on peut aller plus loin, surtout quand on a par exemple des sources de protéines. Il faut bien qu'on sache quelle est la composition en acides aminés. Parce que les protéines, c'est bien beau, hein? Et on voit ça même sur les sacs d'aliments, ça conditionne le prix et tout. Mais c'est en fait la composition de ces protéines-là qui est importante. Ça doit être équilibré. Vous voyez, pour ceux qui sont en train de composer des aliments, je citais un gars au Cameroun qui me disait, mais la lysine, là, ça joue quel rôle, machin? C'est qu'en fait, la lysine, la méthionine, ce sont des acides aminés. Et ces acides aminés-là sont généralement rajoutés pour rendre le profil d'acides aminés équilibré. Donc, c'est vraiment important d'avoir cela en tête lorsqu'on est en train de composer les aliments. Et pour ça, on a, par exemple, au niveau de si on a, par exemple, si l'ingrédient qu'on a, c'est l'huile, comme l'huile de poisson et tout, il y a aussi des profils d'acides gras, parce que l'huile, c'est bien beau,
mais il faut savoir quelle est la composition en acides gras, parce que ce sont des acides gras après qui sont digérés par le poisson. Donc, après la digestion des lipides, on a les acides gras, les glycérides, les triglycérides, et ainsi de suite. Donc, c'est important de savoir quelle est la composition. Et un point qu'on oublie beaucoup, c'est aussi la teneur en facteurs antinutritionnels. Et dans le cours complet, on les liste bien. Parce que si on n'enlève pas les facteurs antinutritionnels en donnant certains ingrédients aux poissons, on peut plutôt leur nuire. Par exemple, si vous prenez les épluchures de manioc et que vous donnez les épluchures de manioc même séchées à vos poissons, ça contient du cyanure. Donc, le cyanure, c'est un poison, ça va tuer vos poissons. Mais si vous les trempez, par exemple, donc vous prenez les feuilles, les épluchures de manioc, mais vous les trempez, donc juste en faisant ce trempage, donc vous enlevez déjà une bonne partie de cyanure et ensuite vous séchez, vous écrasez. C'est une bonne farine, ça pourrait quand même être une source d'énergie ou de fibres acceptable pour le poisson. Donc, ce sont autant de petites choses qu'il faudrait faire. Et juste par analogie, hein, quand on parle de trempage et de réduction de la teneur en facteurs nutritionnels, si vous regardez le soja ou même quelque chose de pratique dans la nutrition humaine, le haricot, il est pratiquement automatique de nos jours quand on veut cuire le haricot de le tremper pendant 12 à 24 heures. Mais généralement, la question qu'on ne se pose pas, c'est pourquoi? Beaucoup vont penser que c'est juste pour ramollir, mais non. Quand on tremble le haricot, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a bien sûr le fait que ça se ramollit, mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a l'osmose, qui est le passage de l'eau du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique. Donc, l'eau quitte du récipient qui contient le haricot et de l'eau et se déplace, va à l'intérieur du haricot, fait gonfler la graine, ramollit la graine, mais en même temps, pousse la toxine qui est contenue dans le haricot qui se retrouve dans l'eau. C'est pour ça que l'eau change de couleur. Et si vous voulez, vous pouvez prendre un verre et boire un peu de cette eau-là. Vous allez vous rendre compte de la teneur en toxine directement parce que franchement, vous allez le ressentir au bout d'une heure de temps après avoir bu. Mais ça se fait automatiquement, mais c'est une façon d'enlever les facteurs antinutritionnels, d'enlever les facteurs antinutritionnels du haricot avant de le cuire et de le mettre à la disposition des personnes qui vont consommer. Donc, ce sont des choses comme ça auxquelles il faut penser aussi quand on a des ingrédients aquacoles. Et une fois qu'on a nos ingrédients, on les connaît. On sait quels sont les prélèvements qu'on a appliqués. On connaît leur teneur en nutriments. Il faut maintenant faire des études de digestibilité pour savoir à peu près quelle est la quantité de nutriments qui restent dans le poisson après digestion. Je le dis pourquoi. Dans un pays, ici en Asie, il y a une très grande production de l'industrie textile. Et là-bas, il y a la production des vêtements en cuir, des vêtements, des ceintures et tout en cuir. Et certaines personnes, pour augmenter le taux de protéines, sont allées ramasser les déchets de cuir. Ils ont broyé, vraiment, ils ont eu de la poudre et ils ont augmenté dans les aliments. Et ça a augmenté le taux de protéines. Un aliment qui normalement devait contenir quelque chose comme, je ne sais pas trop, 30% de protéines, en faisant cela, il se retrouve à 32, 33. Donc, ils ont augmenté 2 à 3% de protéines, moins cher, les déchets. Mais ces protéines-là ne sont pas digestibles. Même si ça ne nuit pas directement au poisson, ce n'est pas digestible. On a des protéines partout, on a des protéines dans les cheveux, on a des protéines au niveau des ongles. Mais est-ce que ces protéines-là sont digestibles? Non. Donc, il est important, quand on a étudié notre ingrédient, on sait quelle est la teneur en protéines, en lipides, en énergie, en centre, de voir, bon, pas des centres quand même, de voir quelle est la quantité qui peut rester dans le poisson. Et pour ça, c'est des études de digestibilité. Voici par exemple notre laboratoire où nous faisons des expériences de digestibilité. Ici, on a le poisson, comme vous pouvez voir, c'est le tilapia. Et là, on a des bassins pour collecter la matière fécale. Donc, on prend un aliment qui est comme une référence et on a un autre aliment test. On remplace 30% de l'aliment test par l'ingrédient de référence et on ajoute à cela un marqueur antinutritionnel, un marqueur de digestibilité, donc comme la cendre, l'acide insoluble, l'acide insoluble H.
dans la cendre qui est insoluble, donc pas ajoutée à l'aliment, et on collecte la matière fécale. Et avec des calculs mathématiques, on peut savoir quelle est la quantité d'un nutriment précis qui reste dans le poisson. Donc là, j'ai une petite vidéo de la salle. Vous avez une idée de ce à quoi la salle ressemble. Dans la vidéo, je parle des circuits fermés. Vous avez déjà ceci. Donc ça, c'est le collecteur de matière fécale. Dans l'eau, avec la matière fécale, le tout va au fond. Et en bas de cela, nous avons un contenant qui nous aide à collecter la matière fécale. Et bien sûr, comme je l'ai dit dans la vidéo sur les circuits fermés, c'est exactement cette salle que je présente. Vous pouvez aller voir. Donc, c'est important de savoir quelle est la digestibilité des nutriments. Et on va dans les détails dans la formation. Et nos travaux, parce que c'est bien beau de parler de tout ceci, et une personne peut croire que je suis juste théorique et que tout ce que je dis, je l'ai lu. Je lis beaucoup. Bien entendu, j'apprends beaucoup de personnes, mais je pratique aussi. Et comme vous pouvez voir, j'ai publié en 2020 et 2021 des articles sur des ingrédients venant de l'Afrique et de l'Asie que j'ai étudiés. Donc, après avoir analysé, j'ai fait des études de digestibilité. Voilà, deux articles publiés dans le Journal of Applied Aquaculture. Par exemple, j'ai travaillé sur le palm kernel cake. Le tourteau de palmiste, sur le tourteau de le son de riz, le son de maïs, et aussi une plante qui est produite ici en Malaisie, on appelle sago. J'ai travaillé sur la digestibilité des épluchures de banane, des épluchures de manioc, des cabosses de cacao, les restes quand on a extrait l'huile de la noix de coco, et bien sûr aussi de la mollasse de canne à sucre. Donc voilà autant de choses que j'ai fait, j'ai étudié chez le tilapia et j'ai produit des bases de données qui sont disponibles hein, en ligne et vous pouvez me contacter, je vais vous envoyer ça. Mais entre autres, voilà à quoi ça ressemble. On a travaillé sur 15 ingrédients au total et au niveau de ces ingrédients-là, on a eu des informations sur la digestibilité apparente à travers les études de digestibilité dont je parlais tout à l'heure. Et comme vous pouvez voir, bien sûr, j'ai aussi travaillé sur la digestibilité de la farine d'insectes. On ne parle pas beaucoup de cela. On dit juste c'est bien, on peut remplacer ici, on peut remplacer ça. Mais quelle est la quantité qui reste de nutriments contenus là-dedans qui reste sur le poisson? Ça, on a étudié, il y a des informations là-dessus. Et ce qui est beau aussi, c'est qu'au Nigeria, par exemple, il y a ce qu'on appelle high quality cassava peel, dans les épluchures de manioc de qualité supérieure qui ont été transformées, il n'y a plus de cyanure et tout, il y a eu une fermentation et ainsi de suite. Et j'ai comparé ça aussi aux épluchures de manioc brut. Voilà autant de choses. Et ça nous a permis, comme je l'ai dit, de créer une base de données qui est en ligne. Je pourrais partager avec vous si de besoin est. Et aussi, moi, j'ai ma base de données pour mon logiciel de formulation, de composition des aliments. Donc, quand je fais des recherches, je les enrichis régulièrement ou quand je fais des lectures, j'enrichis aussi cela. Là, je vais regarder un peu pour voir s'il y a quelques questions et tout jusqu'ici. Oui, bien sûr, le poisson-chat a de la difficulté à digérer le tourteau de palmiste. Il y en a qui en parlent. Moi, je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais c'est important de savoir. Et le tilapia peut le tolérer un peu. Mais bien sûr, ce que je présente ici, je ne suis pas en train de demander à une personne de l'appliquer directement et ainsi de suite. Et comme je le dis toujours dans les vidéos, je vous présente les bonnes pratiques et c'est à vous de prendre vos décisions vous-même, de les employer ou non. Et vous pouvez toujours demander au conseil, aux formulateurs, des gens qui composent des aliments dans votre région, parfois qui travaillent pour le gouvernement ou pour les universités et tout, ou vous nous contactez en privé, on peut vous aider avec vos formules alimentaires. Maintenant, au niveau des besoins nutritionnels des poissons à différents stades de vie, il est très important de savoir que même si tous les poissons pondent des œufs et tout, et que tout commence au niveau de l'œuf, il y a encore des stades après cela. Il y a le stade larvaire et il y a la position des juvéniles et des adultes. Là, c'est très simplifié, hein? Les gens peuvent encore séparer et tout ça. Et les besoins nutritionnels change au fur et à mesure qu'on évolue au niveau de ces besoins-là, donc au niveau de la croissance du poisson. Donc, plus le stade de développement avance, plus variable sont les besoins
nutritionnelle. Donc, il faut vraiment tenir compte du fait que ce n'est pas un seul aliment qu'on doit donner, ou bien une seule formule qu'on doit donner aux poissons à tous les stades de vie. Donc, il faut avoir plusieurs formules différentes. Et par exemple, ici, je vous présente à peu près les besoins, ou bien les besoins en termes de nutriments pour la carpe commune au stade de pré-grossissement. En passant dans la formation offerte par Kexpert, il y a aussi ces besoins-ci pour le tilapia, le poisson-chat africain et bien sûr la carpe commune à différents stades de vie. Mais ici, je vous présente juste pour le pré-grossissement parce qu'on va utiliser cet exemple-ci pour composer l'aliment un peu plus tard. Donc, c'est vraiment, il y a des bases de données aussi en ligne que je pourrais vous présenter si vous prenez la formation, où vous allez avoir ces informations plus détaillées, gratuites. Nous avons une base de données que nous allons mettre à votre disposition aussi, avec toutes sortes de nutriments, les besoins pour tous les nutriments. Mais de façon abrégée, ici, on a bien sûr, si on compose un aliment qui a 90% de matière sèche, donc 10% d'humidité, pour le pré-grossissement de la carpe commune, il faut à peu près 32% de protéines brutes. Il faut des lipides bruts de 8%, il faut de l'amidon à près 18%, il faut de l'énergie que vous pouvez voir ici. Mais bien sûr, il faut aussi, quand on parle de protéines brutes, il faut des protéines digestives. Pour ce cas précis, les protéines digestives seraient à 28%. Et ensuite, il faut le rapport protéines et énergie digestive, par exemple. Donc, tout ça, c'est très important. Et ce rapport-ci est très, très, très important parce que ça permet parfois de savoir si l'aliment qu'on compose pourra faciliter l'accumulation de la chair. Donc, s'il y a un bon ratio protéines digestives, énergie digestive, on sait que le poisson va utiliser les lipides, par exemple, pour satisfaire sa demande en énergie et garder les protéines plutôt pour la croissance, donc pour accumuler de la chair. Et ce sont des petits trucs comme ça qui n'ont l'air de rien, mais qui sont très importants. Donc, quand on parle de la composition des aliments, il s'agit en fait de trouver la bonne formule. Donc, c'est vraiment de trouver une formule alimentaire qui satisfait les besoins du poisson à différents stades de vie. Et bien sûr, ici, quand on parle des besoins du poisson, on parle des besoins connus à différents stades de vie, bien précis. Donc, pour chaque stade, on a bien sûr une formule précise. Et on pourra aller dans l'exemple dont je parlais tout à l'heure où on va composer l'aliment, mais ce qui est important ici de souligner, c'est que dans la base de données de composition des aliments, il y a à peu près trois parties. Donc, il y a d'abord une base de données des ingrédients. Donc, toute base de données que vous allez vous procurer ou que vous allez trouver en promotion en ligne ou des choses comme ça, nous en avons aussi que nous pouvons mettre à votre disposition. Ou tout logiciel de composition des aliments, que ce soit des fichiers Excel ou bien des fichiers beaucoup plus fancy, plus sophistiqués, il y a d'abord une base de données des ingrédients. Et on va revenir là-dessus quand je vais vous présenter notre base de données. Ensuite, il y a une partie qui est utilisée pour la composition des aliments. Donc, comment est-ce que vous faites votre formule? Et il y a une autre dernière partie qui est plutôt au niveau des résultats. Donc, une fois que vous avez votre formule, vous avez le résultat et vous vérifiez si le résultat vous satisfait, si ça permet au moins en théorie, satisfaire les besoins nutritionnels de votre poisson. Donc, tout ceci, je vous le présente dans quelques minutes. Donc, on va prendre l'exemple pratique du pré-grossissement. Supposons que voici les besoins nutritionnels. Donc, on veut atteindre 32% de protéines. Ne considérons pas l'espèce ici. On veut obtenir 8% de lipides, par exemple. Donc, en prenant juste ces deux-là et 28% de protéines digestives, essayons de composer un aliment. Et on veut aussi que l'aliment soit à peu près à 1 $ US par kilogramme. Donc, voilà l'aliment qu'on veut composer. Là, je vais changer et j'espère que vous voyez toujours. Oui. Là maintenant, je vais dans mon logiciel de composition des aliments. Pour moi, c'est un fichier Excel. Je suis à l'aise avec ça. Je travaille bien avec. Et c'est un fichier de composition directe. Donc, ça ne fait pas list cost analysis.
Discord, c'est un peu plus avancé. Donc, ça vous donne des options pour aller réduire les coûts, vraiment. Mais avant de bien faire les listes, il est toujours important d'utiliser un logiciel comme celui-ci pour comprendre les subtilités de la composition des aliments. C'est vraiment quelque chose qu'il faudrait bien comprendre. Et pour ça, voici le logiciel. Et là, on a plusieurs ingrédients, bien sûr, avec les numéros de code ici. Donc, on a par exemple la caséine, la farine de sang, les différents types de farine de poisson. C'est sûr que les farines de poisson que vous voyez ici sont des farines de poisson génériques. Donc, ce n'est pas forcément ce que vous allez trouver chez vous. Mais quand on a une base de données comme celle-ci avec plus de 500 ingrédients, c'est pour que si à un moment donné, vous avez une farine de poisson chez vous qui a à peu près 65% de protéines, que vous puissiez au moins venir ici et faire un proxy, donc faire une composition avec ceci, parce que vous n'allez pas analyser exactement tous les ingrédients que vous achetez pour pouvoir mettre ici. Et c'est aussi pour ça qu'à la fin, quand vous avez composé votre aliment, vous devez l'analyser pour voir s'il est bon. Sinon, vous vous dites, mais ma farine de poisson, peut-être, n'est pas bonne, je vais augmenter la quantité parce qu'on parle de 50% de protéines, mais peut-être que ce n'est pas exactement ça, si vous n'avez pas fait des analyses vous-même. Et parfois, si vous vérifiez le taux de conversion des aliments et tout pendant que vous élevez avec des producteurs ou non, pour avoir toutes les informations qui vous permettent d'ajuster votre base de données. Donc, une base de données, c'est quelque chose de dynamique, ce n'est pas quelque chose de figé. La farine de poisson pêchée en Angola est différente de celle que vous avez au Sénégal. Donc, il faut vraiment vous ajuster là-dedans. Et là, on a vraiment tout, hein, incluant les feuilles de manioc et ainsi de suite. Ça, ce sont des bases de données, une base de données aussi avec les huiles. Donc, ici, le haut est séparé en sources de protéines animales. Ensuite, on a des sources de protéines végétales ici. Et ensuite, on a des céréales et des huiles. Et comme ça ne suffisait pas, on a aussi des nouveaux ingrédients. Donc, on est allé prendre des informations pour étoffer cette base de données-ci avec plusieurs types de farine de poisson. Imaginez juste le nombre de types de farine de poisson disponibles ici. Il y en a plusieurs dizaines donc, que vous pouvez utiliser. Vous allez finir par trouver au moins une qui se rapproche de vos conditions lorsque vous voulez composer vos aliments. Et là, comme je disais, on a tout, la farine de krill, farine de crabe, tout. De façon à ce que quand vous allez faire un inventaire, dans un inventaire d'ingrédients, ce qu'on appelle en anglais, ingredient scoping, dans votre région, vous avez une bonne idée de ce qui est disponible et vous pouvez, bien entendu, vous lancer là-dedans et venir enrichir votre base de données et mettre des informations, faire des ajustements ici. Donc, c'est des trucs quand même dynamiques. Et là, on parlait de la canne à sucre, de la molasse et ainsi de suite. Il y en a déjà dans cette base de données. Et comme vous pouvez voir, on est à plus de 500 ingrédients. Là, on a aussi les différents types de minéraux en fonction de la source et tout, que ce soit du Brésil et tout. On a toutes les informations là pour vous. Donc, on a plus de 500 ingrédients déjà dans la base de données, ce qui est très bien. Et un truc aussi important que vous devez savoir, c'est que pour chaque ingrédient, on a la matière sèche, la teneur en cendre, l'énergie. Brûle d'énergie disponible, les teneurs en protéines, les protéines brûles, les lipides, les fibres, et ainsi de suite. Donc, on a les oméga-3 pour les lipides, pour certains ingrédients, bien sûr, les acides aminés, ici aussi la disponibilité en phosphore, dans la quantité de phosphore disponible. Et on a un endroit ici où on va mettre les coûts. On peut mettre les coûts des différents ingrédients. Et en mettant ces coûts, si on peut le faire à la semaine, on peut le faire au mois, en fonction de l'endroit où vous êtes et de la disponibilité de l'information. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Mais vous pouvez avoir vous avez quand même l'opportunité de mettre l'information sur les coûts ici. Et encore, les coûts des ingrédients, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est vraiment dynamique. Il y a des gens qui sont chanceux, un peu comme au Ghana, il y a un organisme qui publie les prix d'ingrédients sur le marché. Je pense que c'est à la semaine. Au Kenya aussi, c'est peut-être au mois ou quelque chose, mais dans vos pays différents, vous pouvez déjà vous mobiliser en association, quand vous êtes dans une association et tout, et demander au gouvernement ou au service de statistiques du gouvernement de vous donner ces informations. Ils sont capables de mettre sur pied
des techniques, des approches, des méthodes pour pouvoir collecter cette information et vous les donner pour que vous n'ayez pas à aller au marché vous-même demander le prix du soja et tout. Et vos personnes qui vous approvisionnent aussi en ingrédients, vous pouvez leur demander de le faire et vous envoyer ça peut-être par message texte chaque semaine. Ça se fait bien dans certains pays, surtout ici en Asie, dans les personnes qui livrent les ingrédients, vous envoient la liste des ingrédients avec les prix tous les lundis. Ça vous permet de pouvoir faire des ajustements pour composer vos aliments, pour commander les ingrédients et ainsi de suite. Donc ça, c'est des choses quand même importantes. Ensuite, comme je l'ai dit, il y a l'endroit où on fait la composition. Ici, je vous parlais des numéros de code. Donc, en mettant un numéro de code ici, par exemple, si je mets 8, le nom de l'ingrédient qui se retrouve à 8 apparaît ici. Et ça me permet aussi, je peux mettre des quantités et tout. Donc, tout à l'heure, quand on va faire notre cas pratique, on pourra jouer avec. Et en bas ici, on a les résultats. Donc, maintenant, essayons de composer notre aliment qui contient à peu près 32% de protéines brutes, dont 28% de protéines digestibles et les lipides de 8%. Et on veut que ce soit à moins de 1 dollar, disons autour de 1 dollar par kilogramme. Chez nous, on dispose de la farine de poisson. Dans le numéro 7 ici, j'ai de la farine de poisson, OK, qui est le numéro 7. Donc, je viens ici et je tape numéro 7. J'entre numéro 7. Voilà, ça me donne ma farine de poisson. Qu'est-ce qu'il y a encore ici que j'ai? Quand je vais au numéro 33, j'ai fait l'exercice en avance hein, pour faciliter les choses, sinon on aurait pu passer 3 heures ici. En passant, les formulateurs d'aliments ou compositeurs d'aliments dans plusieurs grosses compagnies ne font que ça au quotidien. Donc, ils viennent s'asseoir devant l'ordinateur, ils prennent les prix et ils composent les aliments pour la production de la semaine prochaine. Ça peut prendre une journée, ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre 3 jours en fonction de l'expérience des gens. Donc, c'est un exercice quand même laborieux qui prend du temps. On ne trouve pas la bonne formule en un coup, là. Ça prend du temps et c'est pour ça qu'il y a des spécialistes qui ne font que cela. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y a le maïs ici qui est disponible. Là, ça va être le numéro 33. Je vais taper saisie 33. Bon, j'ai le soja. Soybean, chez moi, c'est le 44. 44, je viens ici, j'entre 44. Oh, ici, c'était corn gluten. Le gluten de maïs, oui, ça c'est le gluten de maïs. Et j'ai le maïs aussi qui est disponible. Maïs, c'est 50. Ici, ouais, je vois 50. Je vais là, je saisis 50. J'ai le son de blé. Le son de blé, c'est aussi, c'est ouais, 63. Là, je vais venir saisir 63. J'ai la farine de manioc, c'est un très bon liant. La farine de manioc, c'est 59. Oui, ici, je vais saisir 59. J'ai l'huile de palme. L'huile de palme, bien sûr, c'est disponible, mais il faut savoir que l'huile de palme aussi rancit vite. Donc, si vous utilisez l'huile de palme, c'est bon de le faire pour des aliments que vous allez consommer dans la journée ou la semaine. Ce ne sont pas pour les aliments que vous allez vendre et tout, et qui vont être déposés, entreposés pendant des semaines, là. Non, l'huile de palme rancit très vite. Donc, ce n'est pas une très, très, très bonne huile pour les aliments, sauf si c'est pour vous-même, à la ferme, vous produisez, vous nourrissez vos poissons directement avec. Et là, on a le numéro 74. Je vais entrer le 74 ici. La farine, non, l'huile de poisson, c'est le numéro 70 ici. Là, je mets 70. Le dicalcium, phosphate de dicalcium, ça peut être numéro 86 ici, je vais entrer 86.
Là, on a les minéraux en général. Dans cette partie-ci, prenons les minéraux en général, ce qui est disponible même pour les poules et les porcs, supposons, juste pour cet exercice. Là, ce serait le numéro 92. Et là, je vais mettre 92 ici. Ensuite, on a la vitamine C. La vitamine C, c'est un antioxydant. C'est vraiment bien aussi pour renforcer le système immunitaire du poisson. Le 93, je vois, c'est ici. Ouais. L'agent 93. Et ensuite, on a le prémix en vitamine. Prémix de vitamine. Ici, c'est le 94. Ici, je mets 94. Et ensuite, on a la lécithine, soil. C'est très bon pour le développement du cerveau du poisson. C'est le numéro 96. 96 ou 86. Ouais, là, je vais entrer 86. Ensuite, on a bien sûr une addition de lysine et méthionine. On va essayer de prendre la méthionine d'abord. C'est loin, je pense c'est plus bas, c'est au niveau de 497. Méthionine, oui, 497. Et si je mets 497, c'est ça. Oui. Et la lysine, pas loin. Ici, 494. 494. Bon, maintenant, voilà les ingrédients qui sont disponibles chez moi, hein, coût abordable. Comment je peux les utiliser pour fabriquer mon aliment. Comme je l'ai dit, hein, pour gagner en temps, je vois qu'il y a beaucoup de questions et commentaires qui entrent. Pour gagner en temps, oui, pour gagner en temps, j'ai déjà fait des exercices un peu. Oui, je vois les commentaires. Oui, merci pour vos commentaires. Il faudrait donner cet exemple de formulation sous forme de schéma et Excel, c'est mieux quand on ne voit rien dans la vidéo. J'espère que vous voyez mieux maintenant. Ah, on ne voit pas mon écran sur la composition. OK. Je vais fermer. OK. Là, je pense que vous voyez maintenant. Voilà, je pense que là, vous voyez l'écran sur la composition. Est-ce que vous confirmez que vous voyez l'écran sur la composition maintenant? On ne voit rien. Et là? Bon, je crois toujours qu'on ne voit rien dans la vidéo. Est-ce qu'il y a une personne qui pourrait me confirmer qu'on voit?
Pour ceux qui veulent le fichier pour la composition, il faut vous inscrire au cours en ligne. En vous inscrivant, vous allez avoir cette option-là. OK, là, on me confirme que ça marche. Bon, comme je l'ai dit, je vais reprendre cette partie, juste pour être sûr que vous profitez très bien de cette formation. Le logiciel dont nous disposons ici a plusieurs parties. Donc, on a la partie des ingrédients ici. Et pour cela, on a plus de 500 ingrédients. Et chaque ingrédient, comme la caséine, la farine de sang et tout, il y a la teneur en matière sèche, en cendre, en énergie brute, en énergie digestible, en protéines brutes, en protéines digestives, en lipides, en fibres, les différents oméga-3 et tout, dont les acides aminés. Mais on a aussi les acides gras, je vous l'ai dit, mais on a aussi les acides aminés. OK, on dit que c'est petit. Je vais agrandir ici. Je pense que là, ça va être bon. Voilà. Donc, voilà la partie des ingrédients. Et on a plusieurs des ingrédients. Donc, on a des ingrédients, des sources de protéines animales. On a les sources de protéines végétales. On a les différents céréales. On a des huiles. On a des minéraux. Et on a ce que nous appelons aussi new ingredients, des nouveaux ingrédients qui viennent d'une collection de différentes bases de données, de nos propres cerveaux et ainsi de suite. Et là, on a plus de 500 ingrédients. Donc, vous pouvez voir qu'ici, on a plus de 500 ingrédients pour cela. Donc, c'est vraiment quelque chose de dense, mais ça permet quand même que vous puissiez, comme je l'ai dit, un peu plus haut, avoir accès aux ingrédients disponibles dans votre région et pouvoir venir ici retrouver des ingrédients qui s'y rapprochent. Et voilà alors des informations sur la matière sèche et tout pour chaque ingrédient. Et un peu plus loin ici, on a le coût des ingrédients. Donc, on a des informations sur le coût et j'ai donné des explications là-dessus précédemment. Donc, si vous avez accès à ces informations-là, vous les mettez ici. Ça permet quand même d'avoir une idée du coût au moment où vous êtes en train de composer les aliments. Et l'autre partie ici, c'est la zone où on compose des aliments. Donc, par exemple, si je reviens ici et que dans ma région, je dispose de la farine de poisson à 70%, le gluten de maïs, le soybean, corn, le gluten de maïs, le tourteau de soja, le maïs, le wheat bran, le son de blé, le manioc, la poudre de manioc, l'huile de palme, l'huile de poisson, le phosphate du calcium, les minéraux en trace, la vitamine C, le complexe vitaminique, la lécithine venant du soja et bien sûr les acides aminés que sont la méthionine et la lysine. Je peux entrer les informations ici et ça va apparaître. Donc, par exemple, si je prends la farine de poisson, la farine de poisson qui est disponible chez moi, c'est cette farine de poisson du genre d'Aniche à 70%. Je viendrai ici et je mets juste le numéro 7 parce que, comme vous pouvez voir ici, c'est le numéro 7. Donc, quand j'entre le numéro 7 ici, ça apparaît. Il en est de même pour le gluten de maïs. Donc, si je viens ici, je cherche le gluten de maïs, je vois que c'est dans ma base de données, c'est le numéro 33. Donc, en venant ici et que je tape 33, ça apparaît. Et ainsi de suite. Donc, là, je peux aussi, j'ai déjà les numéros pour le soja, comme je l'ai fait tout à l'heure, c'est le numéro 40, 44. Je mets 44, le soja apparaît. Donc, je ne vais pas repartir, vous montrer encore tout ça parce qu'on l'a fait tout à l'heure, vous ne voyez pas. Mais au moins, en pratiquant sur ces deux exemples, vous avez vu comment c'est obtenu. Ensuite, on a le numéro 50 pour le maïs. Maïs apparaît. Ensuite, le son de blé, c'est 63. Ensuite, le manioc, c'est 59. Ensuite, l'huile de palme, c'est 74. La farine, non, l'huile de poisson, c'est 70. Le phosphate du calcium, c'est 86.
Vérifier. Oui, ça passe. Les minéraux, c'est 92. Oui. La vitamine C, qui renforce le système immunitaire et qui est un antioxydant, c'est 93. Le prémix de vitamine, c'est 94. La lécithine, c'est 89. Et la méthionine, l'acide aminé, c'est 497. 497 dans notre base de données, c'est son numéro de code. Et la lysine, c'est 494, c'est son numéro de code ici. Donc, si je prends juste le cas de la lysine et la méthionine, si je reviens ici, vous verrez que c'est bien 494. Bon, c'est ici que je viens, je copie, hein, comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, c'est parfait, comme vous le dites dans le chat. OK, 494, c'est ici. Donc, on a la lysine, 494. Je suis allé entrer ce numéro-là. Et on a la méthionine, 497. C'est ça ici, exactement. Et là, maintenant, voici ma zone de résultat. Ma cible, c'est avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, 2% de protéines et 8% de lipides, et le tout doit coûter moins d'un dollar, ou bien autour d'un dollar. J'ai précisé les prix ici. Donc, on a toutes sortes de prix ici. Voilà les informations sur les prix. Donc, par exemple, le numéro 7 qui est la farine de poisson dans nos palais, j'ai supposé que c'est 2 dollars, non, 1,25 de kilo pour ce qu'on va acheter ici. Pour ce qu'on a acheté dans notre région, le gluten de maïs, 2,8 dollars le kilogramme et ainsi de suite. Non, le gluten de maïs, c'est 1 dollar par kilo. Donc, ce sont des exemples comme ça que j'ai donné. J'ai placé ici, ne vous fiez pas forcément à cela, mais c'est juste pour les besoins d'exercice que j'ai placé ces chiffres-là. Vous devez avoir les prix de votre région eux-mêmes. Et au niveau des quantités, je suppose que, bon, pour la farine de poisson, on met 12%. Le gluten de maïs, on met 14. Le soja, la farine de soja, on met 20. Le maïs, on met 25%. Donc, on va essayer de composer à 100, hein, 100 kilos. Ensuite, le son de blé, mettons 17. Comme je disais, j'ai fait l'exercice déjà en avance pour accélérer les choses. Le manioc, le liant, on met 2%. L'huile de palme, on met 1% parce qu'on dispose aussi de l'huile de poisson. Et là, on met 1, disons, mettons 2. 1,9. Et pour le phosphore de calcium, on met 2. Pour les minéraux en trace aussi, on met 2. Pour la vitamine C, on met 0,01. Pour les minéraux, on met 0,75. La lécithine, on met 0,5. La méthionine, on met 0,1. Et la lysine, on met 0,1. Le total nous donne 98,5. Bon, là, il manque 1,5. Supposons qu'on vient ici, qu'est-ce qui... Oui, on peut mettre 18. Attendez, on était à 98, 18,75. On va mettre 1,75. Ça va faire 18,75 pour faire 100. Bon, là, ça fait 100. Non, 125, 18,50.
Bon, on regarde notre formule et on se rend compte que oui, voilà le résultat. Les protéines sont proches. On est à peu près à 31 de protéines brutes. On est à 8 pour les lipides et on est à les protéines digestives. On voulait 28. C'est où les protéines digestives 28? Oui, on est bon. Et on voulait produire à peu près à 1 $. Oui, on est bon. Bon, ça c'est ce qui est bien, mais quand même, on pourrait arrondir encore ça. Hein? Parce que là, on est à 31, on n'est pas à 32. Donc, il faut quand même atteindre le niveau de 32. Donc pour ça, il faut venir faire des ajustements ici. C'est comme ça que ça se passe. Bon, la farine de sang, pourquoi je ne dis pas la farine de sang? Je suppose que chez moi, il n'y a pas de farine de sang. Au Bangladesh, par exemple, c'est interdit. Ce sont les musulmans. C'est un pays musulman, c'est interdit. Donc, franchement, si vous en avez chez vous, vous pouvez les utiliser aussi. Mais vraiment, ne vous fiez pas trop à cette formule-ci. Hein. C'est juste un exercice que nous faisons ensemble pour que vous ayez une idée de comment composer vos aliments. Donc, ce n'est pas comme si vous devez faire exactement ce qui est présenté ici. Non, là, je vais faire des ajustements pour pouvoir avoir 32 là-bas. Là, je maintiens 12. Mais ici, le gluten, je peux réduire un peu ici ou rajouter, je rajoute 75. 0,75, je rajoute. Parce qu'on veut augmenter les protéines. Les protéines, 20, je mets 20,9 par exemple, parce qu'il y avait 1,9 quelque part là. Je vais diminuer ça, voir. Le maïs, 25, on est bon. Wheat bran, maïs, on a 25, 8 brands, je mets 17. Hein. J'étais à 18, 75, je vais mettre 17. 18, 50, je mets à 17 maintenant. Le manioc, 2, je reste, maintiens 2. L'huile de palme, 1, oui, pas plus de 1. L'huile de poisson, 1,9, oui. Les minéraux, 2, 2, je ne change pas. Les vitamines, 1,5, je maintiens. Oui, et ici, 0,75, je maintiens. Lécithine, 0,50, je maintiens. Lysine, oui. Donc, c'est ça. Oui, les limites d'utilisation des produits, c'est en fait, ce sont les connaissances. Hein? Parce qu'on me demande y a-t-il une limite d'utilisation des produits. Oui, ce sont vos connaissances là-dedans. Par exemple, moi, je compose rarement les aliments avec plus de des aliments avec plus de 30% de soybean meal. De farine de soja, surtout si c'est produit localement sur le continent africain. Si c'est importé de certains pays comme les États-Unis, le Brésil, parfois c'est bien extrait avec nos solvants et tout, on peut aller plus loin. Mais pour ce qui est produit localement, souvent je me limite à 30% pour ne pas peut-être créer un problème au cas où on n'a pas bien extrait les facteurs antinutritionnels. Dans les restrictions, c'est vraiment la personne qui compose des aliments avec ses connaissances, ses expériences qui peut les limiter. Il y a une personne qui parlait du tuto de palmiste qui n'est pas digéré et tout. Donc, c'est des choses comme ça qu'il faut limiter. Et ce sont des connaissances pratiques et parfois aussi basées sur des fondements scientifiques. Et voilà, on regarde ici, on a 115. Donc, il y a un zéro. Il y a un petit truc à retirer quelque part. Je retire ça où? Dix et 15. Vitamine C. Ouais, c'est ça qui a débordé un peu là. Là, on enlève 0,15. Oui, ça donne 100. Et là, on a 32. On a dépassé légèrement, mais on a quand même 32. On a fait quelques ajustements sur la formule. Là, on a les lipides exactement
ce qu'il faut, on est à 8,0. Et là, quand on regarde le prix, on est toujours autour de 1 dollar. C'est un peu plus à 1 dollar et 39 cents, mais c'est quand même toujours là. Donc, on peut passer la journée ici en fonction des prix, en fonction de ce qu'on veut et tout, à faire des ajustements. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et maintenant, ici, ça, c'est la partie du logiciel qui est copiée. Donc, la formule est en haut et la composition théorique est ici en bas. Vous pouvez copier ceci. Non, juste copier et dans n'importe quel fichier Excel, vous copiez, mais vous devez copier les données, hein, pas la formule. Et ça, c'est ce que vous avez extrait pour ce jour-là, pour cette partie-là. Vous pouvez composer beaucoup d'aliments pour différents stades de vie, pour différentes espèces et tout. Donc, vous le faites régulièrement si vous avez la base de données et vous adaptez à cela et tout. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Une base de données pour composer les aliments pour poissons. C'est à cela que ça ressemble. Celle que nous utilisons, c'est aussi celle-ci que nous utilisons pour former les gens. Mais il y en a de plus sophistiqués, comme je l'ai dit, qui intègrent même déjà les besoins, qui intègrent déjà les restrictions, comme une personne pour la question de la personne qui demandait s'il n'y a pas des limites et tout. Il y en a. Je pense que. Oui, ici, par exemple, vous allez voir qu'il y a le minimum, il y a le maximum en termes de protéines et tout, mais il y a aussi des limites en termes de quantité qu'il faut mettre pour chaque ingrédient et ainsi de suite en fonction de sa composition. Donc, c'est ça, en gros, que je voulais vous présenter pour la composition des aliments. Vous avez une idée de ce que ça prend. Donc, quand vous avez votre base de données, vous l'ajustez en fonction des nouvelles connaissances, des nouveaux articles, des nouveaux ingrédients qui sont étudiés. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons pour avoir autant d'ingrédients. Nous allons aussi parfois, quand il y a les bases de données disponibles, faisons confiance au groupe de recherche qui produit cela. Nous pouvons les prendre et les ajouter ici. Vous ajustez les coûts d'ingrédients régulièrement avant de composer vos aliments. Ensuite, vous venez ici, vous les composez et vous vérifiez que tout est bon. Et ensuite, vous regardez les résultats. Si les résultats sont conformes, vous pouvez copier les résultats et mettre dans un fichier et les envoyer à l'usine pour la production. Donc, c'est comme ça que ça se passe à peu près partout. Mais comme je l'ai dit, en fonction des logiciels, des zones et tout, il y a même des logiciels qui gèrent les stocks d'ingrédients et ainsi de suite, des trucs beaucoup plus sophistiqués. Mais ça, c'est la base, ce que je vous présente là. Si quand vous avez compris ce qui est à l'écran, ce que vous voyez là, vous pouvez réaliser beaucoup de choses. Le logiciel en anglais, y a-t-il une version française? Oui, si vous prenez le coup, nous pourrons vous faire une version française si c'est ça que vous voulez. Hein. Mais bien sûr, quand vous allez lire les articles pour compléter la base de données vous-même, il va falloir quand même être ouvert à l'anglais, au français, à l'anglais, excusez-moi. Mais oui, ne vous en faites pas si vous avez besoin des versions françaises et tout. Contactez AcExpert, inscrivez-vous au cours, procurez-vous le logiciel et on pourra en discuter avec vous. Et. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter ici. Je repars dans notre PowerPoint. Et là, il faut que je me rassure maintenant, hein, que vous me rassuriez que vous voyez ce que je présente à l'écran, que maintenant, vous voyez le PowerPoint. Et dès que vous allez confirmer que vous voyez le PowerPoint, on pourra passer à l'introduction à la production des aliments. Bon, c'est confirmé. Pour la production des aliments, ici, on n'ira pas loin. On va vous présenter juste les principaux équipements qui sont disponibles pour composer les aliments. Il y a une vidéo où je parle de 14 étapes pour produire les aliments, où je vous présente une granuleuse. Ça, c'est une granuleuse. Moi, je l'ai dans mon laboratoire, ou que j'utilise sur une base régulière. Chaque fois que j'ai une expérience, que je vais étudier un aliment, j'utilise la granuleuse parce que c'est vraiment pour les poissons d'aquarium et tout. Et voilà le type d'équipement qui est disponible avec le séchoir, avec un broyeur, avec un mélangeur, et ainsi de suite. Donc, regardez la vidéo sur 14 étapes pour composer les aliments de poissons au laboratoire et vous pourrez mieux comprendre tout ceci. C'est déjà disponible, c'est là pour vous. Il y a aussi des équipements pratiques qui occupent un petit espace qui permettent de produire de l'aliment flottant, comme ce qui est ici. Donc, ça, c'est une vidéo prise à Kinshasa dans une ferme qui fabrique aussi ces aliments. Et c'est toute une chaîne horizontale, comme on le dit. Ce n'est pas vertical, donc les choses ne vont pas du haut vers le bas. Mais là, bien sûr, il y a une broyeuse, ensuite, il y a un mélangeur.
Non, il y a la broyeuse, tout est broyé, envoyé ici. Ensuite, il y a une couvreur qui pompe, c'est mélangé. Ensuite, la couvreur reprend et va dans l'extrudeuse. Et une fois que ça sort de l'extrudeuse, ça va dans au conditionnement. Donc, c'est séché. Et parfois, s'il faut huiler, c'est à ce stade-ci qu'on rajoute de l'huile et tout. Donc, c'est toute une chaîne bien organisée qui fonctionne généralement très bien. Et c'est une usine comme celle-ci, c'est une qui peut produire à petite échelle, donc qui permet parfois d'avoir 2 à 10 tonnes par heure. C'est très efficace pour une personne qui veut produire pour elle-même, pour sa ferme, et ensuite vendre peut-être le surplus. Ici, on est dans une usine au Bangladesh. Là, ce sont les grands équipements. Et ici, l'installation était surtout verticale. Donc, tout monte, les ingrédients montent et toutes les activités de broyage, de mélange et tout se font au fur et à mesure qu'on descend. Et à la fin, on a juste l'ingrédient, l'aliment qui sort et qui est empaqueté. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui se font aussi bien. Et une fois qu'on a produit l'aliment, il faut, comme je l'ai dit, analyser l'aliment pour savoir quelle est la teneur en protéines, en lipides, en énergie, et ainsi de suite. Vous envoyez au laboratoire ou vous avez votre laboratoire sur place. Il y a une vidéo qui parle de cela. Mais aussi, vous pouvez travailler avec les pisciculteurs ou vous-même avoir quelques installations de production ou vous essayez d'étudier le taux de conversion des aliments. Il y a une vidéo disponible que nous avons produite sur comment calculer le taux de conversion des aliments. Et dans le cours, on va plus loin, on vous présente ça plus en détail. Il y a aussi l'efficacité alimentaire. Une vidéo a déjà été produite là-dessus. Dans le cours, on va plutôt dans les exemples de calcul et tout avec des cas pratiques. Mais vous pouvez déjà aller regarder ces vidéos-là qui sont sur la chaîne YouTube. Le lien est là pour regarder encore. Et bien sûr, on doit maintenant utiliser les caractéristiques physiques des aliments, comme la flottabilité. Et la flottabilité, on l'a déjà, il y a une vidéo disponible qui est là sur, en fait, pour étudier la flottabilité, qui est en fait le nombre de granulés en suspension dans l'eau pendant 20 minutes, divisé par le nombre de granulés total qui ont été immergés, multiplié par 100. Donc, ça se donne en pourcentage. Pour plus de détails, allez regarder la vidéo. Dans la formation, on va dans les détails, dans les cas pratiques aussi. Le poids sec des granulés restant sur le tamis après séchage, après immersion de 100 grammes dans de l'eau nous permet, quand on collecte ça, ça nous permet de vérifier la stabilité de l'aliment dans de l'eau. Et ça aussi, c'est disponible en ligne. Donc, vous n'avez qu'à aller regarder la vidéo. Mais si vous prenez le cours, on va dans les détails, on fait plusieurs calculs pour vous permettre de bien comprendre, de cerner cela et l'utiliser au quotidien aussi dans votre unité de production des aliments. Mais en plus, dans le cadre de la formation, on parle aussi de comment on mesure la taille et la forme des granulés, donc pour avoir le diamètre, la longueur. Comment est-ce qu'on mesure la densité, donc pour pouvoir estimer que ça va vraiment flotter. Donc la masse des granulés divisée par le volume, comment ça se fait. La dureté, donc la quantité qui reste après fractionnement par tamisage. Parce qu'il y a une partie où vous tamisez les trucs pour enlever la poudre avant d'avoir les aliments que vous emballez, vous mettez dans les sachets. Donc tout ça, ça se fait dans le cours en ligne. On va dans les détails. Et maintenant, l'alimentation, c'est comment est-ce qu'on apporte l'aliment au poisson, comment on le nourrit, comment ça se passe. Il y a plusieurs techniques. Il y a l'approche manuelle et tout. Donc, ça se fait vraiment à la main. Vous prenez les aliments comme sur l'image qui est ici et vous donnez au poisson. Et en nourrissant de façon manuelle aussi, vous pouvez développer des façons de conditionner le poisson pour qu'il mange beaucoup plus. Et on a produit une vidéo là-dessus sur comment au Bangladesh, j'ai été témoin d'une façon dont une personne avait conditionné ses poissons en faisant juste du bruit, en tapant la bassine, ça fait du bruit et les poissons s'agitent et viennent vers un coin de l'étang pour recevoir l'aliment et ensuite ils nourrissent avec ça. Il n'y a vraiment pas de gaspillage d'aliments. Donc, ça fait partie des techniques de nourrissage qui sont intéressantes et c'est manuel. Mais on a aussi des nourrisseuses automatiques. Donc, ça, c'est par exemple un truc comme ça pour. Qui est commercial. On verse l'aliment dedans, il y a une courroie et il y a une minuterie. Pas loin, là, il y a une minuterie. Et on place la minuterie et on peut dire on veut que l'aliment, tout ce qui est contenu là-dedans, soit nourri en 30 minutes. Et la courroie avance petit à petit et l'aliment tombe de façon à ce que les poissons les plus vifs et tout vont manger, s'écarter, les autres vont venir manger. Et ça fait vraiment un épisode de nourrissage de 30 minutes sans qu'on ait besoin de venir. Donc une personne vient juste, charge la nourriture, s'en va et tout se fait de façon automatique.
Bon, maintenant, en tenant compte plus du niveau de satiété, il y a ce qu'on appelle le nourrissage au niveau de la satiété apparente. Et là, c'est de donner l'aliment aux poissons et de les observer jusqu'à ce que le poisson ne soit plus très motivé à prendre. Le poisson va toujours manger, mais vous voyez quand même qu'il est de moins en moins actif. Donc, vous donnez l'aliment et il est moins actif, là, vous arrêtez. Donc, ça demande quand même plus de temps, mais ça permet d'observer les poissons, de voir s'ils sont vigoureux et tout, s'il y a un problème de maladie ou peut-être qui manque de l'oxygène. Ça aussi, c'est très important. On peut nourrir aussi par restriction. Donc, déjà, avec les courbes de croissance et tout, on sait à peu près quelle est la quantité d'aliments qu'il faut donner aux poissons, déjà avec les calculs qu'on a faits soi-même. Et avec ça, on mesure en avance. Donc on a encore au magasin, on mesure, on sait peut-être les temps ou le bassin numéro 6. Voilà la quantité qu'il faut aller donner. On y va et on nourrit sans vérifier si le poisson mange beaucoup ou pas. Mais on observe toujours le poisson, est-ce qu'il est motivé et tout. Mais on ne passe pas tout le temps comme si c'était à volonté et on ne rajoute pas les quantités. Pareil, on mesure d'autres et on dit c'est pour, par exemple, le bassin 20, comme vous pouvez voir à l'image ici. Et selon aussi la fréquence, donc il y a des poissons qu'on nourrit une fois, qu'il faut nourrir au moins 2 fois par jour. Donc, évitez vraiment de nourrir une seule fois. Mais si vous prenez par exemple le poisson chat africain 2 fois par jour, c'est bien parce qu'il a un grand estomac, il peut contenir beaucoup. Si vous prenez le tilapia, c'est bon de nourrir plus de 2 fois par jour si c'est possible. Mais 2 fois aussi, c'est acceptable parce que quand même, en fonction de la taille de vos étangs, de vos bassins, vous n'allez pas passer tout votre temps, toute la journée juste à nourrir les poissons. Et maintenant, donc c'était à peu près ça que je voulais vous présenter. Donc, vous avez une idée du contenu de la formation. Si vous voulez en savoir plus, vraiment là, de passer les 12 heures à bien apprendre, comprendre comment on fait ce que c'est que la nutrition, l'alimentation des poissons, je vais vous inviter à aller vous inscrire sur le site de Hack Expert International que je vais présenter tout de suite. Je préfère venir présenter cela ici. Excusez-moi. Donc, je vous inviterai à vous inscrire sur le site d'Hack Expert International. Oui, je pense que vous voyez bien le site. Donc, voilà le site d'Hack Expert International. Ici, il y a Académie, et dans Académie, vous pouvez aller vous inscrire et avoir accès aux différentes formations qui sont là. Bien sûr, parmi les formations, il y a la nutrition et alimentation des poissons, la production d'insectes pour l'aquaculture, la reproduction du tilapia, vous produisez des monosexes, la reproduction artificielle du poisson chat africain en écloserie, la pisciculture en cage et l'introduction à la pisciculture commerciale. Donc déjà, pour le mois de mars, vous pouvez vous inscrire. Et une fois inscrit, vous passerez au mode de paiement. Et là, vous allez voir les différents prix pour les différentes formations, la façon dont il faut payer et tout. Donc, tout cela, c'est à votre disposition. N'hésitez vraiment pas. Hack Expert va être à l'aise et content de vous former, de passer du temps avec vous au moins 12 heures, mais en plus de vous accompagner plus tard, parce que ça crée quand même un certain lien, ça crée la communauté. Vous êtes abonné, vous avez suivi la formation, vous êtes abonné à All About Aquaculture, vous avez suivi la formation Hack Expert. Donc, combinant les deux, franchement, vous avez un accès privilégié à l'information de Hack Expert et vous avez aussi un accès direct à mon contact et ainsi de suite. Et bien sûr, aussi au contact des experts qui sont en arrière et qui accompagnent cette mission d'Hack Expert. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter ici. Et en plus, j'aimerais aussi vous parler du livre que j'ai publié parce que dans la première vidéo de l'année où on parlait de ce qu'on aimerait faire avec vous en 2022, vous ai informé qu'on allait produire quelques petits livres, des livrets ou bien des livres bien détaillés sur l'élevage du tilapia, du poisson-chat africain, la gestion de la ferme et ainsi de suite, pour ceux qui sont dans les zones où ils n'ont pas accès à nos vidéos, ne peuvent pas prendre des formations avec experts en ligne.
Et peut-être si on n'a pas voyagé dans vos différents pays pour vous donner l'information en présentiel, qu'au moins vous ayez accès à l'information. Ça va arriver. Mais pour commencer, il y a ce petit livre-là, A Pocket Guide to Scientific Writing in Aquaculture Research. C'est un livre qui vous permet de vulgariser l'information aquacole. Ou bien l'innovation que vous faites. Peut-être que vous avez créé un nouveau système d'aération, peut-être que vous avez conçu et mis en application des bons systèmes d'élevage hors sol. Vous avez une façon peut-être de faire de la filtration de l'eau et ainsi de suite. Et vous voulez communiquer cela. Le livre est bon pour vous. Si vous êtes un chercheur, un étudiant au master ou au doctorat en aquaculture, vous voulez apprendre à rédiger des articles scientifiques, le livre est bon pour vous. Si vous êtes invité à une conférence, par exemple, et que vous voulez apprendre aussi à rédiger des résumés, se préparer pour la conférence et ainsi de suite, c'est bon pour vous. Si vous faites de la recherche appliquée ou peut-être fondamentale, vous voulez écrire des rapports de recherche et ainsi de suite, le livre est bon pour vous. Si vous voulez écrire des articles scientifiques pour être publiés dans les revues scientifiques avec comité de lecture, tout ceci est bon pour vous. C'est un livre de 120 pages seulement et c'est un livre qui est vendu à un prix relativement abordable. Beaucoup de personnes l'ont déjà acheté à travers le continent africain. C'est en anglais. Il y a la version française qui va sortir peut-être à la fin de cette année ou l'année prochaine. Mais c'est vraiment l'anglais facile. C'est moi qui l'ai écrit. Je suis francophone. Comme vous pouvez le voir, bon, camerounais, bilingue, mais surtout francophone. Mais si un francophone peut écrire un tel livre et tout, vous comprenez quand même que c'est l'anglais facile. Ce n'est pas très compliqué, mais c'est technique et c'est bien. Ça a été publié par Taylor & Francis Group aux États-Unis et en Angleterre. Et en ce moment, je pense qu'il y a encore la promotion. Ça se termine le 31 décembre. Il y a 20% de réduction. Donc, n'hésitez pas, en attendant qu'on produise d'autres livres, de vous procurer ce livre-ci. C'est en fait ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On est allé, oui, on a fait 1h30. On voulait faire 1 heure, mais on a fait 1h30. Vous avez eu à peu près 10% du contenu de la formation CAQ Expert offre à travers cette formation-ci, ce qui n'est pas mal. Maintenant, vous savez à peu près à quoi vous attendre pour ceux qui hésitaient encore et pour ceux qui ne pourront pas prendre la formation complète CAQ Expert. Ne vous découragez pas, le moment viendra, mais on va toujours vous donner quand même quelques opportunités d'apprendre aussi avec des formations gratuites comme celle-ci. Mais encore, je le dis, pour ceux qui sont impliqués dans des projets, qui sont des bénéficiaires des projets et tout, n'hésitez pas de parler aux promoteurs de ces projets et leur dire que vous seriez intéressé aussi à recevoir ces formations offertes par Expert, que ce soit en présentiel ou en ligne. C'est important. Donc, on aimerait vraiment que vous soyez aussi des acteurs pour diffuser l'information et vous mettre dans des positions où nous pouvons vous accompagner. Les personnes qui conçoivent des projets internationaux ou des projets nationaux ou des projets locaux ont parfois besoin qu'on attire leur attention sur de telles opportunités. Là, je vais regarder dans le chat pour voir s'il y a encore quelques questions. Oui, que pensez-vous des attractants dans la composition? Les attractants sont intéressants, mais il faut savoir qu'il y a une différence entre un attractant et un stimulant alimentaire. Le stimulant alimentaire, c'est une substance qu'on ajoute à l'aliment pour permettre aux poissons de manger davantage. Et ça, parfois, sont des extraits de fruits de mer, donc un peu comme les huîtres et tout. Et même certaines études ont montré pour le tilapia que le basilic peut être considéré comme un bon stimulant alimentaire. Maintenant, l'attractant, c'est juste une substance qui permet, qui a parfois un rôle olfactif, donc qui permet vraiment d'attirer le poisson vers l'aliment. Donc, le poisson est attiré et va vers l'aliment, mais ça ne veut pas dire forcément que lorsqu'il a goûté et qu'il mange, il va continuer de manger. Donc, l'attractant est intéressant, mais le stimulant alimentaire est encore mieux. Et on demande si les formations sont préenregistrées. Non, les formations ne sont pas préenregistrées. On n'a pas opté pour cette option-là. On a opté pour une option personnalisée, même si c'est en groupe, de vous donner la formation en 12 heures de temps. Donc, si vous êtes inscrit, on met les gens en petits groupes et
ensemble. Par exemple, pour la nutrition, alimentation des poissons, je vous donne la formation moi-même basée sur mes 13 ans d'expérience théorique et pratique en nutrition, alimentation des poissons. Je travaille en ce moment en collaboration avec Screeting, aller à quoi et tout. Donc, je sais à peu près de quoi je parle. J'ai beaucoup de choses à apprendre encore, mais il y a aussi beaucoup de choses que je peux partager. Je vous les donne moi-même. Et quand le groupe est formé et tout, on vous envoie un lien Zoom et pendant 12 heures de temps, donc 6 heures un samedi et 6 heures le dimanche, on travaille ensemble un peu comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Vous posez vos questions, on échange. Surtout que tout le monde n'a pas le même niveau. Parmi les personnes formées, comme ceux qu'on a eu la semaine dernière, il y a un juriste qui veut se lancer dans l'aquaculture. Il y a un producteur, par exemple, qui est déjà là, qui est en train de produire et tout. Il y a une personne qui est à l'étranger, qui veut investir, mais ne veut pas mettre son argent sans savoir à peu près à quoi ça ressemble. Parce qu'on, quand on parle d'aquaculture, tout le monde lui demande d'investir dedans, mais il n'a aucune idée, mais il se dit, non, il faut que je prenne un cours, au moins pour savoir ce que c'est que l'aquaculture. Donc, pour ça, c'est toujours un peu personnalisé. Oh, si on vous plaque une formation en ligne, je vous assure que beaucoup de personnes se font beaucoup d'argent avec ça et tout, mais il n'y a pas la notion de communauté, il n'y a pas la notion de collaboration. On ne vous connaît même pas. Vous vous inscrivez, vous prenez à vos heures et tout, c'est bien, mais on ne vous connaît pas. Pourtant, à travers la chaîne YouTube All About Aquaculture, AcExpert voudrait aussi se rapprocher des gens, créer des communautés, être proche des gens. Donc, franchement, peut-être qu'un jour, on va placer des formations en ligne qui sont préenregistrées, mais pour l'instant, on préfère que les gens s'inscrivent, on organise des séances et on est ensemble. Et dans les pays aussi, quand on va voyager, quand je vais me déplacer, comme je compte le faire encore cette année à travers le continent africain, je vais annoncer cette fois-ci, les gens pourront s'inscrire et on va faire quelques séances de formation en présentiel. Ça peut être dans une salle de conférence, ça peut aussi être dans une ferme, si c'est un pays où j'ai déjà des attaches avec des pisciculteurs, ça peut être dans une usine de production des aliments. Donc tout ça va pouvoir se faire aussi en présentiel. Bon, on me demande, est-ce qu'on peut avoir les exemples d'attentats et où s'en procurer? Bon, où s'en procurer? On va dans la formation vous donner quelques sites internet où vous pouvez aller avoir de l'information et tout. On va vous guider, mais maintenant, on ne peut pas savoir exactement pour chaque pays où s'en procurer. Donc, on va vous donner des choses génériques et vous allez vous-même aller chercher l'information ou on va vous orienter vers les organisations locales, au niveau des gouvernements et tout, qui peuvent vous dire où vous procurer certains ingrédients et tout. Donc, on va vous guider là-dessus. Et les substances telles que la méthionine et autres sont-elles commercialisées comme produits à part entière ou sont-elles contenues dans d'autres produits? Bon, il y a déjà ces substances-là dans toutes les sources de protéines. Il y a généralement les acides aminés comme la méthionine, la lysine, c'est déjà contenu dedans. Mais quand on compose un aliment, souvent on apporte cela en plus pour être sûr que l'aliment est complet. Donc, quand on parle d'aliment complet, c'est que si dans les autres ingrédients, il y avait une carence en acides aminés, on apporte la lysine, la méthionine pour compléter. Et quand on compose des aliments, surtout les aliments à base de plantes seulement. Donc, comme maintenant, là, il y a la tendance sur le tilapia, c'est de réduire la farine de poisson au strict minimum. Parfois, on met beaucoup de tuteaux de tournesol, de graines de tournesol, de tuteaux de soja et ainsi de suite. Mais tous ces ingrédients-là ne sont pas équilibrés en acides aminés. Donc, il faut aller acheter la lysine. Et il y a la lysine pure, cristalline, qui est vendue. Il y a la lysine, la méthionine cristalline aussi qui est vendue, tout comme la taurine et ainsi de suite, les tryptophanes. Donc, oui, Elvira Nelson, vous pouvez les acheter individuellement. Bon, en tout cas, je pense que là, on a quand même fait pas mal, on a échangé beaucoup. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui va débuter dans quelques minutes et je ne veux pas vous mettre dans une position de choix difficile. Donc, sur ce, je vais prendre le temps de regarder toutes les questions sur le chat. Ça va aussi orienter peut-être les prochaines vidéos. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, comme d'habitude, et l'intérêt que vous portez à AcExpert et surtout à notre chaîne YouTube All About Aquaculture. J'espère que
Vous allez liker cette vidéo parce que c'est en live, mais ça va être placé sur la chaîne YouTube dans quelques minutes. Si vous voulez regarder cette vidéo encore ou inviter d'autres personnes à regarder, ce sera là pour vous parce qu'il faut diffuser pour que autant un maximum de personnes puissent se former. Donc, n'hésitez pas de partager le lien pour que les gens se forment. C'est le même lien que vous avez reçu hein, aussi. Donc, c'est ça qui va permettre de diffuser cette information, partager pour que les gens, ça touche beaucoup de personnes. N'oubliez pas aussi de liker la vidéo. Et surtout d'inviter les gens, qu'on crée une forte communauté. Akexpert veut voir beaucoup de personnes, d'acteurs de l'aquaculture impliqués dans la chaîne, abonnés à la chaîne. Donc, si plus on a une grande communauté, plus on a accès, par exemple, au sponsoring, et ainsi de suite, pour pouvoir vous offrir plus de contenu, inviter les personnes à donner des formations gratuites, et ainsi de suite. Donc, franchement, n'hésitez pas d'inviter les gens à s'abonner sur cette chaîne. All about aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. J'ai passé un beau temps avec vous. Je vous remercie et il y aura d'autres formations gratuites comme ça dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Merci beaucoup et à la prochaine.